Deux maisons toutes deux égales en dignité. Dans la belle Vérone où nous plaçons la scène, pour d'anciennes rancœurs se déchirent à nouveau. Le sang des citoyens salit les mains des citoyens. Des funestes entrailles de ces deux ennemis sont nés deux amoureux, maudits par les étoiles, dans la ruine malencontreuse et pitoyable, enterrent avec leur mort le conflit des parents. Le terrible chemin de leur mortel amour et l'opiniâtre fureur de leurs parents, qu'hormis la fin de leurs enfants, rien n'apaisa, vont 2 heures durant occuper notre scène, et si vous écoutez d'une oreille patiente, tout défaut, notre effort essaiera de le racheter. Roméo et Juliette a besoin d'un Roméo et une Juliette qui est capable de se confronter et se donner dans cette immense œuvre. Et quand je trouvais Romane Boranger et Denis Lavant, j'ai décidé de faire ce projet. Quand et où et comment nous nous sommes rencontrés. C'est que l'aventure de Roméo et Juliette a complètement changé ma vie, enfin, ma manière de travailler, ma manière. Ça a été sans doute dans tout ce que j'ai fait la chose qui m'a marqué le plus. Donc au début j'étais terrassée vraiment. Et puis petit à petit j'ai compris quoi, le plaisir énorme que c'était de chercher une chose. Ensemble, qui est une chose qui existe plus au théâtre qu'au cinéma. Le théâtre, le film nous donne, quand je pense, cette possibilité pour 2-3 heures de aller ailleurs ou, pour dire peut-être aussi, de aller dans soi-même. Ce ne sont pas les vivants qui parlent, ce sont les ancêtres, les morts. Et le buteau, le nœud, convoque toujours des morts qui viennent raconter, en fait, leur histoire de vivant à d'autres vivants. C'est ça qui m'a intéressé, en fait, d'essayer de raconter. Un ecclésiastique, et puis quelqu'un aussi, peut-être, qui était la mémoire d'un monde plus lointain, encore plus secret, plus glauque, plus impalpable que, au fond, que le monde de l'amour qui essaye de percer Shakespeare avec beaucoup de génie, d'intuition, mais en même temps, c'est peut-être aussi avec énormément d'impuissance. C'est un type jeune, pas plus jeune que moi en principe, quoi, dans genre, je sais pas, une vingtaine d'années, quoi, entre 20 et 25, qui fait partie d'une famille aisée, quoi, même riche, qu'on peut dire aristocrate. Et, il y a des copains, bon, il se trouve qu'il y a deux bandes rivales dans la ville, il y a les Capulet et les Montaigu. Lui, c'est un Montaigu, si je me souviens bien. Et a priori, au début de la pièce, il est un peu malade parce qu'il est, est amoureux d'une fille qui veut rien savoir. Rosaline, enfin, soi-disant, en fait, c'est une femme, on la voit jamais. Il en parle vaguement, quoi, il se fait tirer les verres du nez par Omar Benvolio. Et dans une fête où il ne veut pas aller, d'ailleurs, chez les Capulet, il rencontre Juliette, et c'est... Donc quand on a commencé à travailler sur la production, c'est-à-dire à faire la distribution, à parler avec Hans des décors, de tout ça, on s'est aperçu que c'était un spectacle très lourd. Et ça a été une sorte de pari, de se dire, allez, on va y aller, c'est un budget lourd, mais on va essayer de l'équilibrer. Oh douloureux, douloureux jour. Jour le plus pitoyable, jour le plus douloureux que j'ai jamais, jamais, jamais encore rencontré. Oh jour odieux. Jamais on a vu un jour aussi noir que celui-ci. Il y a eu cette espèce
d'objets, quoi, de spectacles qu'on a créés chacun, ensemble, chacun regardant l'autre, portant l'autre, tous des plus petits rôles, le plus important, une espèce de... Enfin voilà, c'est... Disons que d'abord, c'est... Enfin, d'abord, avant de parler de mon rôle et, de, et du truc professionnel, humainement, ça a été pour moi bouleversant. C'est devenu une sorte de grande famille, ce spectacle. Entre les acteurs, entre les techniciens, entre l'équipe du gymnase, c'est devenu quelque chose d'un peu magique. Et puis on a emmené tous ces acteurs à Marseille. Pour certains, comme Roman, ils n'y avaient jamais mis les pieds. Et on leur a montré aussi une ville qui était très attachante pour des acteurs, qui était une ville du verbe, donc une ville assez proche d'eux. Et pendant les deux mois et demi qu'ils ont passé ici, ils ont aussi été portés par le bonheur de cette ville. Et ça, je crois que c'était quelque chose d'important. En fait, en résumé, quoi, ça m'a bouleversée. Quoi. J'ai mis beaucoup de temps après la pièce, tout ça, à laisser tomber le rôle et l'histoire et l'aventure. Quoi. J'étais profondément marquée, je le suis encore, je rêve souvent la nuit. Puis j'ai travaillé beaucoup, je ne croyais pas cette force, cette capacité de ne pas s'arrêter, c'est-à-dire pendant 6 mois d'essayer d'aller plus loin. Je me croyais plus feignante que ça et l'énormité de l'aventure fait qu'on ne peut pas être feignant, quoi. On est obligé de jamais s'arrêter, de continuer tous les soirs. C'était des discussions, de savoir où est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin, où est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose de nouveau. Et ça, c'est passionnant, c'est un truc qui n'existe pas ailleurs, quoi, que j'ai découvert, qui m'a vraiment chamboulé la tête, quoi. Après, je peux descendre déjà un heure après. Je vais barrer les 14 demi dedans. Il y a un moment, déjà, 4, il n'y en a pas 14. Je trouve qu'elle n'est pas facile à jouer, parce qu'elle a très peu de scènes. Elle est très importante dans la pièce, mais elle a pas beaucoup de scènes et c'est pas facile du tout dans quelques phrases de sortir toute cette vie et le public ça veut dire il faut faire attention qu'on ne devient pas trop méchante et pas trop bien parce que elle est en même temps elle est pas Lady Macbeth, c'est pas la grande tueuse calculateur, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur. Suzanne est avec Dieu. Elle était trop parfaite pour moi. Mais, comme je le disais, la veille au soir de Saint-Pierre, elle aura 14 ans. Et j'ai découvert cette histoire doucement. Le texte me paraissait au début très lourd. Enfin, pas lourd, mais me paraissait une espèce de montagne à escalader, quoi. Sans, au départ, c'était comme des grands tunnels, des choses sans petit chemin, quoi. Et petit à petit, j'ai découvert le texte, les mots, la finesse, la sensibilité la sensibilité des sentiments. Enfin, ce texte incroyable. Je crois quand même qu'elle aime sa fille. Mais comme elle était mère très jeune et dans cette société, il y avait les nourrices et c'est pas à elle de se salir les mains. Tout était à la nourrice. Alors toute la relation intime et tout, ça c'est Juliette et la nourrice. Téton, elle a trouvé la mère, la mignonnette. Fallait la voir sans prendre un téton, tremble des pigeonniers, pas la pêche de sœur de ministre de la guerre pire. Et depuis ce temps-là, il s'est passé 11 ans. Car à l'époque, elle pouvait déjà se tenir debout toute seule. Juliette est un personnage très très solitaire, quoi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la pièce, on découvre, c'est comme quelqu'un qui est là. Et autour d'elle, tout le monde tombe petit à petit, les gens la lâchent. D'abord ses parents, ensuite sa nourrice, qui la laisse par raison, parce qu'elle sait que c'est plus raisonnable, qu'elle n'y arrivera pas. C'est un personnage qui se retrouve seul et qui, malgré cette solitude, trouve la force d'aller encore plus loin. Sinon, Dieu te prenne en grâce. Tu étais le plus joli bébé que la terre ait jamais porté. Et si un jour je te vois mariée, je serai une femme comblée. Ce que je veux, c'est que je voulais voir. On dit qu'elle était trop parfaite pour moi. Là, il y a la traduction anglaise.
Lady Capulet, c'est elle que, par qui tout le malheur arrive dans cette pièce. C'est elle qui incarne avec cette haine. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement impulsif et très fragile. Je vais les Montaigu et je vais donc Roméo, que je veux absolument toujours provoquer, avec qui je veux toujours me foutre sur la gueule, quoi, tout simplement. T'as un personnage très violent, assez violent au début, et qui par la suite va évoluer avec la peste, etc., avec la mort de Juliette, la mort de bon nombre de personnes, que ce soit Mercutio, Tybalt, etc., va se ranger plus ou moins avec Grégoire, avec Flore. Et c'est avec les garçons, et je suis dans la bande Capulet, donc on est à fond contre les Montaigu. Et puis je suis musicienne aussi, j'ai un accordéon. J'ai plusieurs petites scènes dans la pièce, j'ai un parcours comme ça qui nous amène à rencontrer toute la bande à Roméo, à se battre avec eux, Tybalt va mourir. Au moment donné où il rencontre Juliette, il y a l'amour qui a... l'amour est aveugle, mais c'est pas exactement ça, mais il n'y a plus que ça, quoi. Il y a plus... ça supprime tout le noir qu'il y a autour. Mais juste avant de la rencontrer, il a dit quand même... j'ai le sentiment qu'un destin encore suspendu dans les étoiles commence amèrement son cours funeste avec les réjouissances de ce soir et marquera le terme d'une vie méprisée, enclose dans ma poitrine par l'affreuse échéance d'une mort prématurée. Paris, c'est le pouvoir. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a l'habitude qu'on lui obéisse. Juliette, au début de la pièce, pour lui, c'est peut-être le cadeau de Noël, la petite poupée, la personne sur laquelle il fantasme. Et je pense que c'est simplement à la mort de Juliette qui va comprendre qu'il perd quelqu'un. Je voulais pas en faire un personnage méchant. Comme je joue les deux, je joue Mercutio et Paris. Mercutio, c'est pas le gentil et Paris, c'est pas le méchant. Paris doit être attendrissant parce que je pense que c'est derrière la carapace, derrière cette rigidité qui est accentuée par le costume, par le boitement, la canne, les choses comme ça, la moustache, l'air un peu précieux et rigide. Je pense que c'est quand même quelqu'un d'un... C'est, à mon avis, un pauvre type, je pense. Déjà, c'est le personnage d'une amoureuse, et jouer l'amour, enfin, et le vivre, et le jouer tous les soirs sur scène, c'est donner ça, l'amour, quoi. C'est magnifique, c'est un personnage presque héroïque. Voilà, alors l'histoire de Juliette, pour moi, c'est une petite nana, quoi. Moi, j'ai essayé de l'aborder à ma manière, quoi. Avec moi, ce que je suis, une petite nana qui connaît pas grand-chose à la vie, qui a rien vu encore. Je me suis inventé qu'elle était dans cette famille où elle était ni bien ni mal, mais où c'était comme ça, quoi, la vie comme ça. Et puis tout d'un coup, boum, quelqu'un dans une fête, le coup de foudre, comme ça arrive dans la vie. Quelqu'un au milieu de 100 personnes, boum, c'est cette personne. L'évidence. Brusquement, en fait, c'est comme s'il trouvait un sens à sa vie, quoi. Il tombe amoureux. Et il se trouve qu'elle aussi tombe amoureux. C'est-à-dire, à partir de là, c'est un amour qui va exactement à égalité. C'est-à-dire que c'est le même sentiment qui est aussi pur, aussi juste et aussi qui est identique. Alors, bénévolement, en fait, je suis parti de l'indication suivante, que Benvolio en italien, ça veut dire tout simplement bienveillant. Et encore davantage qui est exacerbé par le fait qu'ils sont forcément séparés, parce que c'est un mariage qui est a priori impossible, puisque c'est deux familles rivales. Bienveillant aussi par rapport à ce qui se passe entre ces deux familles, ce conflit, une espèce de petite guerre comme ça. Ce qui sous-tend quand même toute la pièce, c'est cette haine implacable entre les deux familles. Et je trouve que dans la tête de Roméo, il y a plus une chose qui est assez positive, quoi, qui est, bien qu'il soit d'une famille adverse, peut-être que s'il n'avait pas rencontré Juliette aussi, il aurait buté des Capulet. J'ai voulu imaginer qu'ils viennent d'un père qui n'était pas aussi aisé que les parents de Roméo, qui
qu'il avait tout à gagner de ce fait-là, étant donné qu'il était pris en charge par les parents de Roméo, qu'il avait un réel défi dans la vie, et que pour ça, il avait cette mission donnée aussi par le père de Roméo, qui est de veiller. Mais en même temps, il y a cette chose-là qui dit au début, il y a beaucoup de haine, mais plus encore d'amour. C'est-à-dire, il est confronté aussi au début de la pièce, même si, soi-disant, il aime Rosaline, à cette chose qui est insaisissable et qui l'embarrasse au fond, qui ne sait pas quoi en faire. Quoi. C'est l'amour, mais il n'a pas trouvé le sujet qui va répondre à cet amour qui, à mon sens, qui est exact, à mon avis. Il y a pas, après, les surréalistes, ils ont parlé d'amour fou, mais pour moi, c'est l'amour. Pour moi, Juliette, c'est quelqu'un chez qui, tout d'un coup, c'est comme un être inanimé qui, tout d'un coup, s'éveille complètement, s'ouvre. Tous les pores de la peau, j'ai essayé de faire ça, de jouer ça, surtout dans la rencontre avec Denis, où tous les pores de la peau, tout d'un coup, s'ouvrent, où tout d'un coup, la sensibilité, elle découvre en elle des sens, la sensualité, le désir, la peau, quoi, un truc très charnel, elle découvre ça avec cette personne qu'elle rencontre. C'est un moment aussi de la vie où il y a une sensibilité poétique qui est exacerbée à cause du désir, de la sensualité, de la peau qui est absolument qui est irritable, de l'esprit aussi qui est choqué ou qui est ému par la moindre chose. C'est-à-dire que Juliette va tout faire pour rejoindre Roméo, et Roméo va tout faire pour rejoindre Juliette jusqu'à la mort. Et ils en meurent. Roméo et Juliette est structuré sur plusieurs niveaux. Vous avez le niveau de narratio dramaturgie classique avec une introduction, avec un conflit qui se développe, avec une possibilité d'un happy end qui part d'éléments qui interfèrent, bascule à la tragédie. Avec les catharsis et avec la mort à la fin. Si vous montez une pièce de Shakespeare, il faut faire attention, ce n'est pas seulement le narratio, c'est aussi la poésie qui est le contraire de narratio. Ça veut dire qu'il faut à la même temps travailler avec des comédiens qui sont capables de développer un jeu concret avec un gestuel concret qui se communique par le théâtre ou par le film, et à la même temps qu'ils sont capables de sentir l'immense dimension poétique de cette construction de mots de Shakespeare. Donc quelque chose peut-être qui aurait davantage à faire avec, à voir avec la nature, le mystère de la nature, quelque chose où l'homme encore n'est pas régi justement par des règles, si ce n'est son attirance et le mystère que lui inspire cette nature. Mais en même temps, quoi, pour moi, tel que je l'ai compris, que j'ai ressenti en le jouant, aussi, c'est comme un peu tout. Quoi, parce que c'est, je crois que c'est la quatrième pièce de Shakespeare sur laquelle je travaille. Donc, je comprends mieux comment ce type écrit et puis comment il raconte les histoires. Et j'ai le sentiment qu'à chaque fois, les héros, les personnages titres, que ce soit Hamlet, que ce soit Richard III, que ce soit Roméo et Juliette, que ce soit Macbeth, que ce soit Othello, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui les dépasse, qui les saisit, qui les emmène et qui les lâche. Ce que dans le théâtre élisabéthain on appelle la fortune. Mais aussi, il y a, pour que ça puisse exister, cette chose-là, à mon avis, il n'y a que dans Hamlet que ce phénomène est coincé et retardé. C'est-à-dire que Hamlet ne réagit pas comme il faudrait à l'appel de la fortune, mais finalement, ça revient au même. Parce que c'est une machinerie qui est tellement implacable, qui est énorme, qui roule, quoi, qui écrase l'être humain, que c'est pas possible de lutter contre, c'est pas possible de... Même si on met un caillou dans l'engrenage, forcément, ça continue, la machine avance et retombe chaque fois. Mais ce qui est
ce que je trouve passionnant, c'est que les personnages qui sont pris par ce souffle, parce qu'il s'agit d'un souffle, comme ça, d'une énergie qui les saisit, que ce soit l'amour, que ce soit la haine, que ce soit l'ambition, dans le cas de Roméo, c'est l'amour, c'est, ces personnages, ils présentent chaque fois un terrain qui est propice à ça, à être ému par, par cette force. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que Roméo, même avant de rencontrer Juliette, il y a ça en lui, quoi. C'est un terrain fertile pour ressentir un amour extraordinaire, un amour très fort, un amour divin presque. D'ailleurs, il en parle en ces termes de Juliette quand il la rencontre au balcon, il la compare à un ange du ciel. Et en même temps, ce qui est terrible, c'est que ces personnages, et notamment Roméo, bien sûr, en même temps, savent intimement, quoi, ils sont absolument conscients de qu'ils vont vers leur perte. Elle va jouer avec la mort, c'est-à-dire jusqu'à se faire passer pour morte, avaler une substance dont elle ne sait pas où ça, où ça l'amènera. Mais elle va jouer, elle va frôler la mort en espérant qu'elle, qu'elle le portera jusqu'à Roméo. Et puis c'est une connerie en fait ce qui se passe. C'est, Roméo n'a pas la lettre à temps, il n'est pas au courant, il croit que Juliette est morte. Il décide de mourir, Juliette se réveille, Roméo est mort. Tout est... Voilà, c'est comme des êtres qui courent pour se rejoindre et tout les sépare sans arrêt. D'abord la volonté familiale, ensuite la, le destin, des petites choses qui font qu'on se sépare. Enfin, voilà, mais... Voilà, donc le personnage de Juliette, c'est complètement à jouer, c'est complètement noble. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est que des choses fortes à jouer. Et ça, pour une actrice ou un acteur, c'est le pied. Quoi. La deuxième question, que Shakespeare très important aussi, qui peut jouer le rôle qui sont... dans de très petites scènes, très importantes. Par exemple, le père de Roméo, il a une scène, deux scènes, trois scènes dans toutes ces trois heures. Mais ils sont très importants et très forts. Comment tu trouves un comédien pour ce travail? Il faut être une grande expérience et en même temps, il faut être la lucidité et l'envie de jouer trois scènes seulement dans ce travail. Quand même, on peut expliquer avec les deux, avec les parents, pourquoi le fils, le Roméo, est devenu comme il est devenu. Que je trouve vraiment la tragédie des Montaigu, qui ne sont pas capables de montrer des émotions, même à la fin, quand Roméo est mort. Mais il n'est pas capable de pleurer. Pas capable de montrer des émotions, la seule chose, ce qu'il fait, il prend de l'argent pour élever une statue d'or pur pour Juliette. Il agit en donnant de l'argent. Il parle, il communique avec et par l'argent. Et ça, je trouve vraiment une tragédie. Devant une société où il n'y a plus de fondement, peut-être une société où il n'y a jamais eu de fondement, vu que ça date depuis... Il y en a peut-être trop, non ? Où il y a un repos. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai, c'est peut-être qu'il y a trop de fondement. Ouais. Donc c'est ça, en fait, ce qui fait que Roméo et Juliette, c'est une pièce d'actualité. Ouais. Parce qu'à la base, Shakespeare, quand il a écrit, c'était en combien ? 1006, ouais. Ouais. On ne peut pas jouer une pièce de Shakespeare seulement avec la tête ou seulement avec le ventre. Ce besoin a une vitalité, une énergie... une investition concrète physique. C'est un travail de théâtre, de comédien qui n'est pas seulement cérébral, qui est vraiment une investition avec tout le corps. Et le bonheur, il a été là aussi de trouver cette cohésion, cette fraternité entre les gens. Ce qui n'aurait pas rendu l'aventure aussi belle si ce n'avait pas été là. C'est-à-dire que le texte de Roméo et Juliette, c'est une chose, mais si on se retrouve à jouer avec des cons, ça devient con. Et maintenant, j'ai envie de retravailler avec l'équipe pour le film, pour le cinéma, qui est notre langage, mais qui est commun avec le théâtre, les passions,
l'émotion, qu'il faut passer à l'autre côté. Ça a été, comment dire, une histoire. Aujourd'hui, on est content de pouvoir la filmer parce que c'est important qu'il y ait une trace. Ça a été un moment de bonheur, je crois, pour tout le monde, pour nous aussi. Ça a été une aventure en plus, contrairement à ce qu'on peut souvent croire du théâtre, ça a été une aventure économiquement bien maîtrisée, puisqu'on n'a pas dépassé nos budgets, on n'a pas perdu d'argent, on a équilibré tout, etc. Et puis ça a été vu par 65 000 spectateurs, ça a été joué plus d'une centaine de fois, ça a été quelque chose d'important, et ça a aussi été quelque chose que Marseille a emmené à travers la France. Et quand on dirige un théâtre à Marseille, c'est important de revendiquer notre ville. Voilà. Dans les prochaines 6 semaines qui viennent, je veux retravailler dans le studio de montage et de sortir une autre œuvre qui est un film. Changer la rancune.